Bonjour et bienvenue dans cet exercice. On va corriger, on va traiter la notion de la bijection. Donc le but de cet exercice, c'est de s'entraîner comment montrer qu'une application est bijective et comment, bien sûr, donner des contre-exemples pour vérifier que F n'est pas injectif et n'est pas surjectif. Alors, commençons par la lecture de cet exercice. On considère l'application F définie de R vers R, qui associe cette application x à x carré moins 4x plus 5. La première question 1 petit a, montrer que, quel que soit x de R, F de 2 moins x est égal à F de 2 plus x. L'application est-elle injective? Justifiée. Montrer que, quel que soit x de R, F de x supérieur ou égal à 1. L'application est-elle surjective, justifiée, et soit l'application g de 2 plus infini vers 1 plus infini, qui associe x à g de x, qui est en fait égal à f de x. Montrer que g est bijective est donné g moins 1. Alors, commençons d'abord par chercher l'exercice, et après bien le chercher, vous pouvez regarder la correction. Alors, commençons par la première question. Donc on a F, c'est une application définie de R vers R, donc qui associe chaque élément x de R à son image, ou bien qui est x carré moins 4x plus 5. Voilà. Donc la première question, c'est de montrer que quel que soit x, donc 1, petit a, montrant que, quel que soit x de R, f de 2 moins x égale f de 2 plus x. Donc, c'est une question simple. Il suffit de calculer f de 2 moins x dans l'expression. En utilisant bien sûr l'expression de f de x et f de 2 plus x, et on verra que on aura le même résultat, ou bien de calculer la différence. Il y a une autre méthode, c'est de calculer la différence. Donc la différence ici, c'est quoi? Donc f de x, f de 2, donc soit x de r, donc je l'écris, soit x un élément de r. F de 2 moins x égale, donc je remplace x dans cette expression par 2 moins x. Donc c'est 2 moins x le tout au carré moins 4 facteur de 2 moins x plus x, alors plus 5, pardon. Donc est égal, donc je calcule. 2 moins x au carré, c'est une identité remarquable, il est simple, donc c'est 4, 2 au carré c'est 4, moins 2 fois 2x, ça fait 4x, plus x au carré, moins 4 fois 2 c'est moins 8, et moins 4 fois moins x c'est plus 4x. Et enfin, j'écris plus 5. Donc vous remarquez ici que nous avons des termes qui sont opposés. Moins 4x et plus 4x. Donc il ne reste x au carré. 4 moins 8, c'est moins 4, plus 5, c'est plus 1. Alors, on passe maintenant à l'autre expression qui est f de 2 plus x. Donc d'autre part, on a f de 2 plus x égale la même chose, 2 plus x, le tout au carré, moins 4. Facteur de 2 plus x plus 5. Donc, comme si je cherche l'image de 2 plus x par l'application f. Donc, c'est une identité remarquable, la même chose, c'est 4 plus 4x plus x carré. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Moins 4 fois x, c'est moins 4x plus 5. Voilà, donc est égal. La même chose, je remarque qu'on a des termes qui sont opposés. Donc il ne reste 4x au carré. 4 moins 8, c'est moins 4, plus 5, c'est plus 1.
Donc, vous remarquez que nous avons le même résultat. Donc, quel que soit x de r, donc, quel que soit x de r, f de 2 moins x est égal à f de 2 plus x. Ça, c'était la réponse pour la première question petit a. Maintenant, la deuxième question, la deuxième partie de cette première question, petit b. Et l'application est-elle injective? Alors, je vais donner un contre-exemple. Non, bien sûr, ce n'est pas une application injective, puisque nous pouvons remplacer x par un nombre ici. Par exemple, si je vous recommande par exemple de prendre x égale à un nombre différent de 0, puisque pour le cas x égale à 0, vous allez 2 moins 0, ça fait 2, et 2 plus 0, ça fait 2. Donc f de 2 égale à f de 2, donc ce n'est pas un contre-exemple, puisque 2 égale à 2. D'accord? Donc vous prenez un nombre différent de 0, par exemple, vous prenez par exemple x égale à 0. Donc pour x, f1, pardon, pour x égale à 1. Pour x égale à 1, on a f de 2 moins 1 égale f de 2 plus 1. D'accord? Alors, f de 1, donc puisque 2 moins 1 ça fait 1, égale f de 3. 2 plus 1 ça fait 3. Et mais 1 est différent de 3. Donc, l'application n'est pas injective. Donc, f n'est pas injective. Donc, f n'est pas injective. Est-ce que c'est clair? Donc, vous pouvez prendre n'importe quel autre exemple. Vous pouvez prendre x égale à 2, x égale à 3, x égale à moins 1, etc. Et vous allez trouver la même chose. Donc, pour la deuxième question, petit a, montrons que, quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à 1. Donc en fait, je vais prendre, donc pour la rédaction, je prends soit x de r, d'accord, un élément de r, et je vais calculer la différence f de x moins 1. Donc pour comparer deux réels, nous pouvons procéder par le calcul de la signe de la différence, hein, l'étude du signe de la différence. Ou bien procéder par des équivalences successives. Donc, on suppose que f de x est supérieur ou égal à 1, et on dit équivalent à, jusqu'à trouver une inégalité, bien sûr, vraie pour quel que soit x de r. Alors, f de x moins 1, ça fait x au carré moins 4x plus 5. Ça, c'est f de x moins 1, d'accord? Ce moins 1 est là, égal x au carré moins 4x. 5 moins 1, ça fait plus 4. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On doit étudier le signe de cette différence. Mais cette expression ressemble à une identité remarquable. Donc, c'est x au carré moins 2 fois 2x plus 2 au carré. Donc, c'est une identité remarquable, bien évidemment. Vous pouvez directement réécrire x moins 2, le tout au carré. Alors, cette expression est toujours positive. D'accord? Donc, on a, quel que soit x appartenant à R, x moins 2, le tout au carré, est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est toujours vrai. D'accord? Donc, f de x, quel que soit x de R, f de x moins 1 est positif, c'est-à-dire f de x supérieur ou égal à 1. Maintenant, la deuxième question, l'application est-elle surjective? Donc, je dois, pour montrer qu'une application est surjective, il faut que, quel que soit x, donc si f est surjective, alors, quel que soit x appartenant
à R, quel que soit x appartenant à R, il existe au moins à x de l'ensemble de départ qui est R, tel que, ça c'est la définition de la surjectivité f de x égale à y, c'est-à-dire l'équation f de x égale à y admet une solution. Donc, quel que soit ici, je prends y, y, c'est pas x, quel que soit y, c'est-à-dire quel que soit un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc je prends par exemple un élément qui est inférieur à 1, mais pas supérieur à 1, puisque f de x peut avoir, ou bien peut prendre des valeurs qui sont supérieures ou égales à 1. Mais les valeurs qui sont inférieures à 1, par exemple pour x, bien pour y, hein, d'accord? Pour y égale moins 1. Donc ce moins 1 là, c'est un réel. L'équation f de x égale moins 1 n'a pas de solution. N'a pas de solution. Pourquoi? N'a pas de solution. Pourquoi? Parce que f de x est supérieur ou égal à 1. Donc f de x ne prend pas des valeurs qui sont négatives, hein, pour ce cas-là. D'accord? Donc, puisque f de x égale à moins 1 n'a pas de solution, donc l'application f n'est pas surjective. N'est pas surjective. D'accord? Et maintenant, on passe à la dernière question, c'est-à-dire la question numéro 3. Il nous a dit que g est une application définie de plus l'infini, donc l'ensemble de départ c'est 2 plus l'infini, d'accord? Et l'ensemble d'arrivée c'est 1 plus l'infini. D'accord? Donc on associe x, donc j'ai associé x à g de x qui est égal à f de x. La première question montrait que g est bijective. Donc, montrons que G est bijective. Donc, comment montrer la bijectivité? Donc, il faut montrer, il suffit de montrer que pour un X, ou bien pour un Y de l'ensemble d'arrivées, qui est 1 plus l'infini, d'accord? 1 plus l'infini existe, donc soit y de 1 plus l'infini. Existe-t-il, donc c'est une question, existe-t-il un unique, d'accord? Existe-t-il un unique x, d'accord? Existe-t-il un unique x? Parce que le clavier ne répond pas. Alors, existe-t-il un unique x de l'intervalle 2 plus l'infini? Mais ça doit être unique, hein, bien sûr. Plus l'infini, tel que f de x égale à y. Alors, je vais commencer par f de x égale à y. Et je traite cette question par équivalence successive. Donc, équivalent à quoi? Équivalent à x au carré moins 4x. Plus 5, égale à y. Alors, équivalent 1, vous voyez ici qu'on a une identité remarquable, donc nous pouvons utiliser cette identité remarquable. Je vais, avant cela, je vais soustraire 1 des deux membres de cette inégalité. Donc, c'est x carré moins 4x plus 5 moins 1, ça fait 4. Et j'écris le deuxième membre devient y moins 1, puisque j'ai soustrait 1 des deux membres de cette égalité. Alors, équivalent à, puisque ça c'est évident, c'est une identité remarquable, qui est x moins 2 le tout au carré, égale y moins 1. Donc, cette écriture, elle est possible, puisque y est supérieur ou égal à 1. Donc, cette expression-là, elle est positive, voilà, et celle-là aussi, puisque c'est un carré. Donc, c'est logique. Alors, je peux continuer. D'accord? Donc je peux continuer bien sûr.
Donc je vais écrire la racine carrée de cette expression égale à la racine carrée de celle-là, puisque on a une égalité, on a cette possibilité. Donc la racine carrée de x moins 2, le tout au carré, égale la racine carrée pour se débarrasser de cet exposant-là qui est le carré, ce qui est le 2. Donc j'introduis, bien sûr, bien, j'utilise la racine carrée. Donc équivalent A, ici, il faut faire attention, c'est la valeur absolue de x moins 2, puisque le carré ici est à l'intérieur de la racine, donc égale à racine carrée de y moins 1. En équivalent A, donc, puisque vous savez, un petit rappel ici, si vous avez la valeur absolue de x égale à r, avec r un nombre positif, alors équivalent A, x égale r ou x égale à moins r. D'accord? Moins r. Donc ça c'est évident pour vous, avec r bien sûr, et c'est un nombre positif. Donc la même chose ici, hein. Donc c'est x moins 2 sera égal à la racine carrée de y moins 1, où x moins 2 égale moins la racine carrée de y moins 1. Moi je cherche un x qui doit être supérieur ou égal à 2. Donc équivalent à x égale 2 plus racine de y moins 1 ou x égale 2 moins la racine carrée de y moins 1. Pour moi, on a ici cette expression-là, elle est supérieure ou égale à 1, et celle-là, elle est inférieure ou égale à 1. Donc cette expression, elle est supérieure ou égale à 1, mais celle-là, elle est inférieure ou égale à 1. Égale à 2, pardon. Donc je cherche une expression qui est écrite en fonction de y, c'est-à-dire je cherche un x en fonction de y qui est supérieur ou égal à 2. Donc je vais prendre la première expression. Donc implique que x égale 2 plus, voilà, la racine carrée de y moins 1. Donc il existe un unique élément, bien sûr. Donc cet élément est unique. Donc la conclusion, donc F est bijective, ou bien G, pardon, est bijective. Et bijective. D'accord? Et voilà, donc j'ai terminé cette question. Alors, il faut montrer que ici, donc j'ai oublié, donc je dois réécrire, hein, donc je corrige cette erreur. Voilà, donc G de x égale à y. Ici, g de x égale à y. Donc, pardon pour cette erreur. D'accord? Donc, g de x, puisque on parle ici de g, mais on ne parle pas de f, mais c'est la même chose, hein? Mais g, pardon, c'est la restriction de f sur l'intervalle 2 plus l'infini. En fait, pour le résultat, ça ne change rien. Donc, g est bijective. Pour la deuxième question, comment montrons g moins 1? Donc, maintenant, je dois chercher g moins 1. Donc, pour g moins 1, on utilise cette propriété qu'on a vue au cours. Donc si vous avez, donc quel que soit x appartient à E, donc puisque l'application, je considère l'application f allant de E vers f, d'accord? Donc si je cherche f moins 1, donc quel que soit x appartient à E, bien sûr f doit être une bijection, d'accord? Donc elle dit une bijection. Doit être une bijection, c'est-à-dire une application bijective. Donc, si on a f de x égale y, donc ça est équivalent à quoi? Équivalent à quel que soit y de f, quel que soit y de f, f moins 1 de y est égal à x. La même chose ici pour g. Donc, pour g, ça c'est dans le cours, d'accord? Ça, c'est pour déterminer f moins 1. Donc, c'est pour déterminer f moins 1. D'accord? Donc, je fais la même chose ici. Donc, pour déterminer g moins 1, ici, donc on a g de x égale y équivalent à g moins 1 de y
est égal à x. Bien sûr, on a x appartient à l'intervalle de départ, qui est 2 plus l'infini. 2 plus l'infini. Et y de l'ensemble d'arrivée, qui est 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. D'accord? Donc, voilà, donc, d'après la première question, donc d'après la question précédente, donc d'après la question, dans la même question, mais on a deux parties, hein. D'après la première partie de cette question, la première partie de cette question, de la question, on a g de x égale y équivalent à x est égal 2 plus, d'accord, ici, donc je peux utiliser une équivalence ici, donc 2 plus racine de y moins 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, donc ça veut dire que f moins 1 de y est égal à 2 plus racine de y moins 1, puisque x c'est f moins 1 de y. Donc, f moins 1, bien g moins 1, je ne sais pas pourquoi je refais la même chose, hein, je fais la même erreur, comme vous voyez, mais pardonnez-moi, s'il vous plaît. Et si vous trouvez une autre erreur, signalez-la dans les commentaires. Donc j'accepte toutes les critiques. Alors, donc g-1, ce serait défini de la même façon suivante. Donc g-1 sera de l'intervalle, puisque on a y, elle appartient à quoi? Y, elle appartient à l'intervalle. Voilà, 1 plus l'infini. Donc, il existe un x. Donc, l'ensemble de départ ici sera 1 plus l'infini. D'accord? Donc, l'ensemble de départ sera 1 plus l'infini. Voilà. Plus l'infini. L'ensemble d'arrivée sera 2 plus l'infini. Voilà. Donc, x, on lui associe à 2 plus racine carrée de x moins 1, au lieu d'écrire y moins 1. C'est bon? Donc, j'espère que vous avez compris et à bientôt.